Bonjour. Partagez ça, parce qu'on veut plus d'abonnés du coup. Oui. Bonjour. Ouais. C'est le gang. Ça, c'est autorisé sur YouTube là. Si, c'est bon. 1, 2, 3. Putain, c'est genre, salut. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va suivre des caisses à savon, c'est drôle, on a des potes qui ont fait les caisses. Oh, mais mec, le peuple, on va se perdre. Tu vois, ils ont fait ça juste à côté de l'église parce que tu sais pourquoi. Et le départ, il est à côté d'un cimetière, tu sais pourquoi aussi. Ouais, parce qu'il est mort. Ah, les caisses à savon, on verra peut-être, ouais. C'est le bâtard. Oh, imagine, je dis ça et à la fin, il y a un mort. Il y a un décès. Oh, c'est horrible. Allez, là, on va s'incruster dans le peuple, mec. Attends, mais il passe déjà? J'ai pas mis le micro d'ailleurs, donc nique sa mère. Poulet? Ah non, c'est pas du poulet ça. On va se faire ban de YouTube à cause de ça là. Ah, c'est des cadavres humains? Là, je te fais un joli plan sur toi là, épaule. Non mais mec. Oh, il y a un tracteur. J'adore les tracteurs. Elles sont où les caisses à shampoing? La taille du chien. La taille du chien. Si vous pouvez l'applaudir, faites très fort. De l'encouragement, s'il vous plaît. Félicitations, Roland. Il arrive, si tu vois un mec qui s'appelle Timéo Lapère. Il y a quand même des voitures, il y a une sacrée bécane. J'ai l'impression que cette vidéo, c'est un fiasco pour l'instant. Il y a de l'ambiance ou pas ici? L'ambiance ou pas ouais. Ici? Ouais. Ah, mais merde. Je t'ai pas reconnu, mon père Noël. Ça va et toi? Ou quoi? Chaud, moteur chaud. Elle est où ta moto là? C'est ça non? Non, elle est pas là. Elle est en. T'es descendu une fois là? Non, il y a Simon qui va descendre parce qu'on voulait monter à deux, on s'est fait engueuler. Ah ouais? Pas sécurisant. Ça c'est du solide. Les soucis techniques continuent. J'ai pété le câble des freins. Ah, d'habitude c'est à deux non? Pas tétraplégique. Là tu fais quoi? T'attends là j'attends qu'ils descendent, après moi je veux monter en haut. Vas-y, viens, t'accompagne pour monter, tu veux. Vas-y. Toi ça va sinon, du coup le problème de frein ça s'est fait comment? Parce que je rappelle, il a eu un problème de dernière minute. Au niveau de la vérification, le type il a tiré un peu trop fort sur le frein, il a pété la boîte. Donc on a dû démonter la boîte, on a eu un souci de roue juste après. Là ça roule. Ouais. Jusqu'à quand? Si elle fait celle-là, dans le numéro 6, le 1765, plein fort à l'arrivée. Ça va être plus sympa s'il y a une chute, tu vois. Ouais, t'inquiète. Attends, mais mec, celle-là par contre, c'est une dinguerie, on est d'accord. Ça, c'est des professionnels, il faut les sortir toi. Mais ça, c'est un truc à 5000 balles. Ah, c'est grave. Nous, on a tout fait hier soir. On s'est lancé. Il y a un mois, on a acheté la caisse. On a tout démonté en un jour. On n'y a plus touché pendant un mois. Hier soir, on rattaque. Ah, on a fini ce matin. Franchement, t'es un beau gosse, hein. Chaud. Attends, mais du coup, on voit pas là, y'a pas un endroit où on veut remonter sur une scène. Faut s'imposer un peu. C'est les VIP là, non? Bon. Bah les couilles. Ça me bat les couilles, moi je les dégage. Vas-y, on t'accompagne. Ouais, c'est ça, tu stresses pas sinon? Non, du tout. Non, ça va être la kiffance surtout. Je suis excité comme une petite pute. Mais ils vont gagner là, les professionnels, non? Alors si on gagne, c'est vraiment... Ça va pas trop. C'est qu'on a pas du tout tout fait en frein. Pourquoi il y a une boîte? Alors nous, on a mis une boîte à vitesse pour éviter de mettre des freins. Ah, genre frein moteur. Voilà, on utilise le frein moteur. Et par contre, on a mis un truc en sorte que... Le numéro 7, le scrapibaras. Que quand on tire une manette. Ouais, d'accord. On l'a fait à la Fast and Furious Tokyo. On a mis une manette comme ça, c'est clac clac. Ça fait stylé dans les dérapages et tout. Oh, tu vas faire un méga dérapage. Les roues, au lieu d'en s'incliner comme ça, on les a mis qui s'inclinent comme ça. Ou si on veut, on fait une drift. On arrive là, on fait un drift, on finit dans le public, il y a trois morts. Direct. Ah non. De toute façon, on l'a dit avec Simon, on venait. Objectif 1 mort. On vient ici pour gagner. Quitte à finir tétraplégique, quand ça me bat les couilles. Ça dit pas, on essaie de s'incruster sur la scène. Vas-y, avec une caméra, ça passe toujours. Aujourd'hui, nous retrouvons Timéo lors de la course de sa vie. Lewis Hamilton sur le paddock. Arrête de dire ça. C'est chaud. De base, j'aurais dû être sponsorisé par une marque de tracteur. Sauf que ils m'ont lâché au dernier moment. C'était bon, tant pis, on achète du bleu. Magnifique. C'est bon, chercher. La tire arrivée. Oh là 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 là. Il est obligé de. Ben. Magnifique. Ça c'était les copains, ça. Nature, bien ma pote, ça a nous mauvais. La conduite, ça on est pas trop. La rapidité, je pense, c'est à peu près bon. Et l'audace, les barrières. Si tu fais voilà. Le con ou pas. Et ça, si tu fais le con, c'est bien. Ouais. Et là, qu'est-ce que t'as prévu? Alors, pour ça? On avait prévu un haut-parleur. Bah oui, tu, du coup, tu l'as pas pris. Il a cassé. Quand on a déchargé le truc, il est tombé. T'es un bâtard. Ah sinon, c'était chaud. Tu vois, j'ai la talkie walkie, je le mets juste là et tu parles. Oh, let's go. Mais en vrai, comme ça, je vais commenter la course. Je suis à la merde, ça prenait pas. Comme les Formule 1 là. Houston, on a un problème. Houston. Oh, on a mis du scotch rouge, ça rajoute des chevaux en plus. Ah ouais? Ouais. Du scotch rouge, ça rajoute 20 chevaux. Sacha, t'as un truc à dire? Ah, moi j'attends le passage. Très calme. Il faut pousser, allez, encouragez le plus fort. Au vent de cette boîte, chantez ça. Oh le bâtard. Ça arrive. Oh les droits d'auteur, c'est décédé. Et puis on se danse. Ça sera super. Et ça va, oui, allez.
l'intérieur, vous voulez. Oh, le torchon. C'est de l'huile de friture, c'est bon. Tu freines pas, freine pas. T'as pas freiné là? Ça sert à rien. Ça s'amène numéro 12 de l'Oxagri 65. Il dit tout le temps, je suis chaud. Le bolide est arrivé. Mais gros, j'étais en haut. Déjà, il y a une petite, je l'ai filmée, j'étais en train de filmer mes yep. Elle arrivait, elle a fait ça sur mes orteils. Elle a commencé à taper un numéro, il y a une meuf, elle arrivait. Elle m'a dit, wesh, tu me reconnais pas du camping et tout. Je m'en rappelle pas. Comment ça, ça touche l'orteil? Kiff me toucher les pieds, on est d'accord. Il y a un problème, frère. C'est nul, il y a que des pilotes, ils attaquent les virages et tout. Mais ouais, nous, ils attaquent le foin. Oh, notre champion. Il est où le champion là? Ils l'ont garé, je crois. Oh putain. Allez, chaud, moteur chaud. Fais le mettre de match. Ah ouais, ça c'est du solide. En fait, c'était les derniers à passer en fait. Ouais. Ah les bâtards. Voilà. Ah, fais voir la visière. Ah, les lunettes. Voilà, ah, la visière. Salut les gars. Adieu. On te rejoint là-haut. Ça s'arrête là? Ouais, ça arrête. Là, ça arrête là. Et si ça a marqué rec, c'est que ça arrête. On voit pas en fait. Ouais, ça arrête. Vas-y, c'est carré, c'est carré. J'ai du mal avec la caméra. C'est bon, je commence à manier le truc. Dans les Hautes-Pyrénées, hein, je laisse Gazost. Aujourd'hui, nous allons assister à une course de de caisse à savon, de caisse à shampoing, goût, cerise et banane. Là, c'est le décor, là. Wow, tout ça, là. Ça, là, il y a le ciel. Ouais, c'est peut-être pas utile. Aujourd'hui, nous sommes dans les Hautes-Pyrénées. Coucou YouTube. Aujourd'hui, nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, plus précisément à Argelès-Gazost. Nous allons assister à la mythique course caisse à savon d'Argelès-Gazost. Organisée depuis cette année. Mais elle est mythique, hein. Faut pas croire. Elle est même légendaire. Légendaire. C'est une course de caisse où il y a des savons. Ah, c'est horrible comme explication. Bienvenue à l'école Notre-Dame. Elle a brûlé il y a 2 mois. Excusez-moi, Notre-Dame. Aujourd'hui, nous retrouvons l'école Notre-Dame qui a été ravagée par les flammes il y a maintenant 2 mois. On s'excuse. Pourquoi il s'excuse? T'as pas le droit de t'excuser, ok? Je suis désolé. C'est des choses qui arrivent. C'est pas de notre faute. Bon, tu dis ça, mais ta maison, elle a vraiment brûlé. Oui, mais c'est pas un problème. C'est pas de ma faute non plus. Si c'est ta faute. Bah non. Bah si c'est ta maison, c'est ta faute. Non, c'est compliqué, ok? Aujourd'hui, nous retrouvons Sacha. Sa maison a fondé par les flammes. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Ouais. Ah ouais? Ouais. Tu sais, je connais pas la cause. Mais elle a brûlé. Ouais. Quel était ton ressenti? J'étais content. Ah ouais? Ah ouais. Bah ouais, genre c'était... Après voilà, ça nous a permis de refaire la maison. Attends, merci l'assurance. Assurance touriste. Oui, 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 oui. Ah, y'a filmé ou pas? Non. Y'a le véhicule Ricard qui boit du Ricard. Ah, ça c'est beau. On l'a pas filmé tout à l'heure, mais en gros il nous a fait... Y'a 3 jours j'ai fait un accident avec ma voiture. Avec ma voiture j'ai fait 3 tonneaux. Aujourd'hui je vais en faire 4. Exactement. Pour aujourd'hui, nous retrouvons Timmy ou la paire en quête de sensations fortes dans les caisses à savon. Il veut aujourd'hui faire un record de 4 tonneaux. Un tracteur arrive. Pour les parisiens qui regardent la vidéo, un tracteur est un genre de gros véhicule avec des grosses roues qui permettent de labourer. De labourer les champs. Et je parle pas le champ de ta daronne. Ouais. Ouais. Ah ouais, là, y a des bolides. Oh ouais, d'accord, le bolide. Il y a des bolides. Oh, le bolide. C'est du bolide. Enfin, mais les Parisiens qui vont regarder cette vidéo, ils vont être perdus. Ils vont rien casser. Petit fils de pute. Bon, ah oui, mais du coup, on l'a pas dit pourquoi Jean était pas là. Ouais, donc... Jean est actuellement occupé avec sa copine. On ne dira pas de... Ah le bâtard, pas du tout, il est en vacances actuellement, non, il a le droit de prendre des vacances. Là il est en train de vous dire qu'il est en vacances alors que en fait ils sont juste un peu disputés. C'est une embrouille de passage donc je remplace, ouais, mais ouais. Désolé, je vais revenir, vous inquiétez pas. Jean, désolé, mais pourquoi t'as voulu genre voir un youtubeur qui avait plus d'abonnés quoi? SVP. Il est trop attiré par la moula. Jean le connaît, hein, on lui dit des saletés dans son dos. Jean qui regarde cette vidéo, c'est mon thème, fort ouais, rigole. Genre, vraiment fort. Vraiment fort fort. J'adore tout l'argent que tu broques. Lui il t'aime parce que tu lui rapportes de l'argent, c'est tout. Bah c'est réciproque. C'est de l'amour réciproque parce qu'il y a de l'argent. Exactement. Voici Timmy ou la paire. Les soucis techniques continuent. Ah ouais, quoi? On a la direction de Pinel là. Non. Ils ont remonté, ils ont passé la corde là. Ah les bâtards. Oh les bâtards. Ouais, mais il y avait ça pour le remonter la corde en plus. Et oui. Ah ouais, c'est la merde, on compte sur toi. Tu as la barre de direction? Ouais. Oh les quoi? Elle est tordue du coup. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais il a fait n'importe quoi. Bah oui. Hein. Bah tu peux lui dire qu'il te rembourse maintenant. Ouais. Tout ça parce qu'ils allaient gagner en plus. Ouais. C'est le coup dur pour les deuxièmes coureurs. Ah non, non, bien, c'est un reportage. Reportage sur les caisses à savon du sud. Comment tu te ressens-tu juste avant de concourir, sachant que la direction a explosé? Je suis dégoûté. Ça va le faire, t'inquiète. Je vais redresser un coup de caillou. Les focus. Qu'est-ce que vous ressentez suite à cet échec total?
C'est la première année, on va dire. Ouais, elle est un peu levée, mais ça va. On va demander aux s'ils ont un peu d'instructeur. Et ils ont commencé à faire le Ricard, hein, jaune et bleu comme ça. C'est ça là leur truc. Ouais, leur. Petite review du véhicule, un vieux siège de tracteur. Là, ça sert à drifter. Ouais. Ah ouais, ça, là, ça, c'est pour prendre le virage qu'on a vu en bas en Y. Ça, c'est l'arrière du bolide. Gros pneu quand même, hein. Maximum de puissance. Maximum de puissance et d'adhérence. C'est la puissance. Moi, je suis expert en Formule 1 en fait. Ah ouais. Là, tu vois, les rayures, ouais. Ça sert à évacuer l'eau. Ouais, d'accord. Mais là, du coup, il pleut pas. Du coup, ils auraient dû prendre des pneus comme ça. Voilà, exactement. Bien lisse, bien tendre. C'était la chronique de l'expert en Formule 1. Ultra soft si vous voulez le nom anglais. Ah putain, il fait trop le mec, hein. Il fait trop l'expert. Quel coup dur. Ouais. Et c'est quoi le nom de votre équipe en fait? Agri 65. Et pourquoi vous avez pas écrit genre Agri 65? Parce qu'on a décidé, on savait pas qu'il fallait un nom. Ah, pas d'inspi. Ça c'est du aérodynamisme en vrai. Ça c'est abusé, ça c'est de la triche. Ah ouais, ça c'est, y'a rien de casse à savon. Tu prends un karting, t'enlèves le moteur et c'est fini. Franchement le volant il a pas de jus. Franchement ça marche bien. Ça part en réparation ouais. Il a paf le doigt, c'est déjà mieux hein. Tu veux un marteau? C'est mieux ce que ce n'était, Léo. Merci beaucoup. C'est combien votre... Ah mais ils sont pas posés. Non. Oh, c'est vrai, tu pourrais arriver avec un truc qui fait une autre. Rajoute du sable, rajoute des sacs de sable. On va être loin des 50. Mec, t'aurais pu rajouter 50 kilos en descente. Là, je vais rajouter des cailloux. Ah ouais. Oh, le caillou que vous avez là. Oh ouais, ouais. Simon, attends, j'ai attaché des cailloux. Mais oui, tellement. C'est tellement. Comment tricher? C'est tellement. Cette étape au ski, ça marche pareil. Non, après ils vont tomber. Mais comme sur Mario Kart, tu mets des bananes sur la descente. Et on voit, en fait, il y a du jus un peu partout quand même. J'en ai moins à la joue. Mais du coup, la Clio, elle explose. Elle est morte. Après, j'ai gagné une voiture au loto. Donc t'as gagné quoi? La Dacia Sandero. T'as au moins, c'est une Dacia gratuite. Double option? Non, aucune option. Même pas le poste. Mais quoi? Ça y est, un premier véhicule à Randilam. C'était un beau véhicule, mais bon. C'est mon Yop. C'est ton Yop? C'est mon Yop. Non, c'est mon Yop. Non, c'est mon Yop. Machine morte, cassée. Aïe, nous avons un forfait sur la gauche. En espérant que ce soit pas signé juste après. Hein? La machine qui va casser, c'est le bonhomme. Si je finis pas tétraplégique, je vois pas ce que je suis. Premier virage, je fais tout droit. Tirer dans le cimetière comme ça, c'est nickel. Bon. 3, 2, 1, go. Y'a la CR partout dans le bloc. Je suis rabat, je suis vite pété. Bébé, elle donne ça bien. Bébé, elle fait ça bien. Je vois la rue en 80 full HD. Les petits vont faire ta voiture au boîtier. Je suis en fumette, je suis PTT. Je suis en buvette, je suis PTT. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Archem, y'a rien d'officiel. Je mets la gasolina dans la vitelle. Avec la Volvo, je la vois en mon vinaigre. J'ai des plans dans ma tête, j'ai la barre. Avec 310 rue du Mont à bord. Y'a que les gros montants qui me donnent la barre. On se fait lever à 8h dans la barre. Doucement, doucement, doucement. Pourquoi mon ref a retourné sa veste? Au quartier, les jaloux, on est vestis. J'ai S1250 la béquille. Tu prends le penalty avec des tracks. Dans nos narines, on ne met pas les trucs. Ils font que les transactions sur fut. Ils font que les transactions sur fut. Refou et fou de la gâchette. 3 fois X, le prix de la cassette. 125, ça nique la bavette. État normal en état d'ivresse. J'suis rabat, j'en plus la vitesse. J'ai fait sentir la boîte de vitesse. Un signe à marche diminue le stress. J'suis un. Simio, c'est ton moment. Là, c'est le chou-chou-chou. Le chou-chou-chou time. Mec, t'as intérêt à le faire. Chou-chou-chou. Oh, le baiser. Ça va vachement vite, hein. Ah, ça va trop vite, mais après, il y a zéro style, hein. Comment s'est passée votre course? J'ai pété le câble des freins à l'arrivée. Quoi? Pourquoi? Ah, parce que je freinais comme un enculé, j'ai voulu déraper, il m'est resté dans la main. Ah, c'était pas grave, je l'ai fait sans frein. Comment s'est passée votre course? C'est pas allé très vite parce que j'ai la roue de derrière droite, elle saute, je sais pas pourquoi elle saute. Ah ouais, d'accord. C'est pour le style, on va dire? Ouais, voilà, c'est pour le style. Notre champion remonte. Résumé de cet après-midi, là, ça s'est passé comment? On va dire, il y a eu des péripéties. Oh la répartie. Non, c'est mieux, il a fait une belle course. Franchement, je suis fier de lui. Il a cassé des freins, mais... Et ouais, non, je suis fier de lui. Après, l'écart, c'est de la triche. Comment tu ressens cet après-midi? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a une bonne ambiance. C'est leur dernier passage de la journée. C'est là où il n'y a pas les freins. Ah bon, il arrive assez vite quand même. Ouais, ça va. Il a drifté sur la fin, t'as vu? Ça n'a pas été très recherché quand même. Bon. C'est vrai que ça c'est rudimentaire. Ah merci. Moi je pense que les bouteilles d'équipe de... Ah. Ouais, après à parler. Après à parler, quel bâtard. Après à parler.
Belle vidéo en 4K maintenant. Merci, merci. Aujourd'hui nous retrouvons Thomas Lavenant. Salut. Dans sa course. Les canons de... Oh, le deux-roues. Le deux-roues. J'ai fait du deux-roues tout le long. C'était énorme. Alors le frein. Là le véhicule. Là la caisse. Ça c'est du solide. Comment ça a tenu? Attends.